Nous sommes au Jardin des Tuileries. Donc nous sommes à l'exposition Jardin et Jardin et nous sommes dans l'espace Les Fermes de Galie. Donc aujourd'hui, Pascal Pellet-Cézac a inventé un mur végétal vertical balistique. Ce mur végétal vertical balistique est dépolluant, il est thermique, il est écologique, il est pédagogique car on peut le mettre dans des écoles pour apprendre aux enfants à faire de la culture et il est bien sûr balistique. Balistique, il arrête, donc des essais ont été faits sur le plan national, on a le stample de l'État, et il a été fait, il peut arrêter les balles de 7,62 de Kalachnikov. Donc ce mur végétal vertical balistique, qui peut aller jusqu'à 1,80 m, ou plus haut, ou plus bas, peut être non seulement un anti-balle, mais il peut être aussi un anti-franchissement, puisque ce mur végétal vertical, vous pouvez le mettre sur un support de béton de 70 cm, et il peut éviter le franchissement. Tout cela peut être autobloquant, c'est-à-dire qu'on peut le fixer au sol et il peut être autobloquant, il est démontable et on peut le mettre n'importe où.